Héros et héroïne. Oh, je comprends rien du tout. En vrai, c'est assez stylé. Il y a un délire. Il y a une esthétique un peu à l'ancienne, quoi. C'est vraiment à l'ancienne et c'est très proche. Je peux faire spin les persos. Oui, ça me fume. Vas-y, se tourne. Elle est vraiment, les designs sont à l'ancienne. Vraiment, vraiment à l'ancienne. On dirait des mobs de WoW. C'est un peu vieilli. Oh, dégueulasse. Il est dégueulasse, lui, la Pudge. Ah, attendez, je vais essayer de regarder un peu leur tronche et voir qui je peux. Donc ça, c'est Corky, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est Nunu. C'est Nunu et Willump. Oh, ils ont remplacé Nunu et Willump par un vieux et un orc. Ça, c'est Rengar, ça. C'est plus pour les darons. Ah oui, non, mais là, d'un coup, il va y avoir une audience de cinquantenaires qui va venir sur mon chat. C'est Gragas, mélangé à Wukong. Oui, on peut faire tourner son bâton. Par contre, le fait d'avoir les modèles 3D, c'est con, hein. Le fait d'avoir une petite UI comme ça avec les modèles 3D, ce serait cool pour LoL. Luna, c'est Diana, ça. Oh, c'est tellement Diana. C'est Juan Diana. Oh là là, on est en full découverte. Oh, Atrox, what the fuck. Atrox Nocturne. Oh, c'est Yasuo, mais vieux. Ah non. C'est Yasuo qui a fusionné avec Gangplank. Ok, attends, Centaur. C'est un Centaur? Ah ouais, on est... Centaur Warrunner. Alors c'est à dire qu'il y en a ils ont même pas de nom quoi en fait. Or lui il s'appelle Centaur Warrunner quoi. T'as pas encore vu Diana? Oh il y a Léona Dawnbreaker. Oh c'est... Ça alors... Lui il est stylé en vrai le design je trouve. J'aime bien la peau genre en pierre et tout. C'est stylé, j'aime bien. Sympa. Dire un skin de Léona qui a piqué le marteau de Poppy. Ça c'est Atrox ça pour le coup. Lui c'est Atrox. A knight in dragon's armor. Bah il vient de décrire ce qu'il est en fait, c'est juste un chevalier random avec une putain d'armure dragon. On dirait un mec de la garde de Shyvana genre. C'est éclaté ça comme design par contre. Ah ce design est moche mais comme jaja. Désolé au mec qui mène ça mais... Oh il est moche le perso. Faire il y a des skins ou pas? Ah oui il y a des skins, ah bah voilà. Ah c'est déjà mieux là. Ah oui donc ça c'est H. Ça c'est H. Oh bah ça c'est classique. Y a pas H hein. C'est... Voilà. C'est H avec un skin zombie quoi. Earth Spirit. Oh il a dit son nom quoi, ok. Ouga Bouga. Les persos ont une vibe très Ouga Bouga en fait. Ils ont l'air tous un peu cons. Earth Shaker here. Voilà ils disent leur nom. Il arrive et c'est des Pokémon. Ok donc il a une sorte de gros marteau dans l'eau. Lui j'aime bien son design en vrai lui. Cette arme elle est cool par contre. C'est un... Dans LOR il y a un mec qui se bat, un Oxien qui a un marteau comme ça. Il a un feu sur la langue là tu le sens. Jure Lilia. Les proportions sont pas hyper respectées par contre. Ah, des ailes de papillon en plus, ils rajoutent des trucs ouais. Ok. Oh une grosse fleur. Jure le rework de Nocturne il est là. Il était là depuis le début en fait, il fallait aller sur un autre jeu. Est-ce qu'ils sont stylés? Ok. Ouais. Ok. Ah, c'est parti. Ok ok. Il a l'air trop menaçant et tout. Il arrive, il a la voix de Jean-Charles de la compta. Oui alors ça va les gars, voulez-vous battre quoi là? Terminez les larmes de Tarik. Voilà donc c'est un Pokémon encore, il a dit son nom. Il a un pinceau carrément, tu peux faire des tâches et tout. Je vais un peu tous les regarder, hein. Au pire je prendrai celui qui me plaît le plus après. Ah mais c'est lui. C'est Gyrocopter, c'est Corky. Il me met très très bien. Wouhou. Oui, ça me met trop bien. Woodwink. Et c'est le méchant dans HeroCorp, Woodwink. Celui-là, j'ai en vrai, il y a un délire Yordle. Yordle slash Robin des Bois, j'aime bien en vrai. Lui, il a un design, il a une vibe. Huskar. Ça, c'est Trundle mélangé avec Zinzao. Ah, Invoker, alors c'est lui. C'est lui le fameux perso qui est tellement difficile parce qu'il a 72 000 sorts, voilà, possible. Ah, on voit. Alors on voit ses sorts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 spells différents. Yo. Ah ouais. Ah donc là on est sur une boule de... C'est Xeras mais il y a encore moins d'efforts. Oh, ils ont juste fait des particules, ils se sont dit comme ça au moins il n'y a pas besoin de l'animer le bordel. Il se balade comme ça, il fait des petits lasers. Ok, Jacquiro. Oh le dragon, oh il est stylé lui en vrai. J'aime bien l'idée. C'est un peu edgy, c'est un peu débile, mais j'aime bien l'idée. Comment il fait caca du coup? Ils doivent lâcher des grosses crottes avec deux têtes, je me dis toutes les créatures à deux têtes, je me dis ça à chaque fois. Parce que du coup ils mangent deux fois plus, mais ils ont qu'un seul trou du fion. Ah il est connu lui. C'est pas lui qui a sur l'icône de Dota genre Juggernaut? Oh le skin est stylé. Oh ça tu sens que c'est le skin, voilà. Pardon Le skin coûte 78,56 €. Quoi? Mais quoi? Ah, lui, il a un casque à... Il a un casque à 9 centimes. Mais vas-y, je prends le champion et j'achète son casque. C'est bon, j'ai un skin. 9 centimes. Oh, le skin de rat. Oh, il est pour moi, celui-là. Ça me met très, très bien. Lèche. Après, j'y mets... Oula, calme-toi. Mais autant... Ça doit être sur des persos pourris, non? Putain, tu peux acheter des danses spéciales et tout. 41 €, ça. Ah, stylé en vrai. Oh, oh, il est dégueulasse. Oh, j'ai des frissons de dégueulasse. Petite danse pour 1 €. Mais trop bien. Oh, oh la découverte des personnes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais cette posture qu'elle a, on dirait un super-héros low cost d'un film. Je sais pas, genre de Bollywood. Elle est proportionnellement, il y a des petites jambes quand même. Il a skip le leg day. Mais tu n'es pas un Pokémon. Il s'appelle... Déjà, il a pas de nom. Déjà, ce concept de donner pas de nom à des persos, je comprends pas trop. Il s'appelle le druide solitaire. Et du coup, quand il arrive, il fait le druide solitaire. C'est trop con. Ça m'extermine, vraiment, c'est tellement con. Oh, c'est Vander, ça. C'est Vander si c'était pas fait transformer Fuller en Warwick. Ah, ah, la Vander après la transformation. Oh, Magnus, là. Oh, il est magnifique, lui. C'est Citria, ils ont foutu Citria dans Dota. What the fuck? Elle est stylée. C'est un design simple, mais j'aime bien. Elle a pas de skin. Marcy, bah de rien. Ok, c'est la manifestation de la guerre. Ah, mais c'est Mars, oui, c'est le dieu de la guerre. Donc c'est Panthéon. Il y a Médusa, d'ailleurs. C'est Cassio. Ok les gars, j'ai trouvé mon main. C'est bon. Je vais mettre Meepo. Oh, il me met très très bien. Oh, c'est Meepo. Non mais c'est bon, c'est juste Meepo. Hein. Oh, what the fuck, le skin à 30 centimes. Non mais j'achète. Wukong. C'est Wukong. Oh, c'est littéralement la légende de Wukong. Ouais, bah non, on sait que tu t'appelles Wukong. Morphling. Oh yeah. C'est Nami, avec Nami version assassin. Ah, ils ont oublié de lui mettre un nez à lui, je crois. Alors lui, il s'est carrément trompé dans son nom. Il s'appelle Necrophos et il a dit Plague Spreader. Tu t'es planté, c'est pas ton nom. Oh. Ah, lui c'est littéralement un Pokémon, par contre, vraiment. Oh putain, mais lui aussi j'ai envie de le main. En fait, les persos les plus cons du jeu, j'ai envie de les main, genre. Ouga bouga. Ok. Oracle. C'est Zillian qui a fusionné avec Ryze. Pas mal. Ok, ok. Lui, il essaye trop en fait. Ça se voit qu'il tryhard. C'est un putain de pangolin. C'est lui qui a ramené le Covid en fait. Oh là là, il est... en vrai. Pourquoi c'est ce genre de perso que je trouve qui a le meilleur design à chaque fois? Il est bien. Il a un skin Shaco aussi, mais attends, non mais c'est... Oh, il m'a roté dessus, j'étais pas prêt. Mais il est énorme en taille lui. Genre il est 15 fois plus gros que tous les autres persos. Oh la gueule. Ok, donc ça c'est Veigar, Veigar après le vaccin. Shyvana après le vaccin également. 554 € pour ça. Regardez la différence. 554 balles. Et à côté, t'as la version violette qui vaut 17 centimes. What? Le reward de Skarner? Sand King. Je suis le roi des sables. J'ai pas de nom par contre. Il est pas mal en vrai. Il est sympa. En fait le truc c'est que les designs sont sympas mais sans plus. J'ai l'impression sur la plupart des persos. La plupart des persos, j'ai l'impression que ça pourrait être dans le MMO de LoL, ça pourrait être des petits mobs random, tu vois, des mobs que tu croises ou des PNJ, mais ils ont pas un truc en plus quoi. Je veux plus jamais voir ce truc de ma vie. Là, c'est la dernière fois que je le vois, je le regarde plus. Ils sont trop mimes. Eux, par contre, ils sont trop mimes. Genre la vieille avec son... Regarde-le. C'est Cled, sauf que c'est une mamie. Il y a le gun, il y a une sorte de... Elle est plus smart parce qu'elle a mis un truc sur son dos. Certains designs datent de 2002-2003. Ah ouais, ils sont moins... Ouais, il y a un délire de croque-mou mélangé à Scarl. Mais ouais, ils sont moins dans le délire de reward, peut-être Dota. Sans trop m'avancer, je pense qu'il est pas sorti en 2022 celui-là. T'as rien compris quand t'as parlé. Techies. Ils sont marrants en vrai. Mais en fait, moi j'aime que les persos rigolos parce que je trouve sur ce style graphique qu'ils ont voulu utiliser, c'est ce qui passe le mieux en fait. Les trucs trop sérieux, ça passe pas du tout, je trouve. Les modèles sont un peu moches et c'est un peu cartoon en fait, donc je trouve que c'est ce qui passe le mieux ça. Akali, si elle était magicienne. Ah, vous voyez, là, ça, tu vois, tu sens que lui il essaye d'en faire trop. Il veut être trop stylé. Ça ne marche pas. Et je ne ressens rien pour ce personnage. Ok. Ça c'est un poisson qui a buté Nautilus et qui est... Ah, il se trimballe une carcasse de poiscaille là, regardez, c'est dégueulasse. C'est un bout, c'est vraiment une texture de bout de poisson. Tiny. Oh, c'est bah, Malphite mais en petit du coup. Il s'appelle Tiny, il s'appelle petit. C'est trop mignon en vrai, genre vraiment c'est... C'est trop bien. Ah bah là il est moins petit quoi. Ah mais il grossit, je crois que c'est ça son délire. Ah oui, il change de taille. Minus, petit, moyen, grand. Il a 4 tailles. Il évolue tout au long de la game, ça c'est stylé en vrai. Le concept est cool. Un perso qui grandit en taille, genre un perso qui est pas très tanky au début et qui devient de plus en plus tanky et qui prend plus en taille, bah il y a Shogat tu me diras, mais vu qu'il est vieux Shogat et que le gameplay est pas dingo, il pourrait faire le skin de base de Shogat, un truc hyper évolutif et tout. Ça donne des idées un peu. Maokai. Voilà, c'est littéralement ok. En vrai, ça va. J'aime bien l'idée du sorte de truc qu'il a au milieu de la tête, là. Je sais pas... Il est dégueulasse, lui. Lui, il est juste dégueulasse. Je veux plus jamais le voir, aussi. Oh, bah, Voli, tiens. On en parlait. Ah, par contre, ouais, il fait un peu mal aux oreilles, le frérot. Venomancer. Il est dégueulasse. Ça me met trop bien, ouais. Il peur. Mais ça, on dirait un mob, genre. On dirait pas un truc que tu peux jouer, genre. On dirait un truc que tu peux jouer, mais genre dans StarCraft, quand c'est une unité, que genre t'en contrôles plein. Mais genre un seul, genre. Qui a envie de jouer ce truc? Qui a envie de se dire, vas-y, je vais main Viper là, de ce machin là. Qui a envie de faire ça? Oh my god. Oh, celui-là il est cool en vrai. Quoi? Ah, mais il y a un magicien qui se trimballe à côté de lui. La créature, elle est stylée, j'aime bien. L'idée qu'il ait pas vraiment de tête, genre il a un vrai corps. Un vrai corps organique et il a pas de tête en fait, c'est un four. Genre en fusion, tu sens que ça lui a cramé le haut. Il devait y avoir quelque chose avant, mais il a plus de tête. Le design est cool de celui-là. Ah, ça c'est Kha'Zix après le vaccin quoi. Kha'Zix qui a pas mangé les bons trucs en fait. Il a fait une intoxication alimentaire, il y a eu un problème dans l'évolution. Oh non putain. Oh le pauvre créature. Sortez-le de là. Donc ça c'est juste un skin de l'autre perso qui ressemble à H de tout à l'heure. Oh, tu les mets côte à côte, les deux c'est les mêmes. Winter Wyvern. Mais attendez, c'est des trucs jouables, on est d'accord ça. Ce ne sont pas des PNJ, c'est pas des trucs que tu peux croiser sur la map. J'ai l'impression que des fois genre je tombe sur des minions ou des trucs comme ça genre. Witch Doctor. J'ai pas envie de commenter sur la voix du perso. On va se passer de commentaires. C'est Ryze, genre vraiment dans... Là, il a quoi? Ryze, il a genre 1000 ans. C'est Ryze dans encore 3000 ans. Ryze 3000 ans plus tard. C'est le design que les gens, en vrai, s'attendaient en pensant au roi déchu. Ils pensaient à un mec un peu plus âgé et tout, Vigous. Vigous, il a 25 piges avec des méga abdos. Ça se rapproche plus que l'idée qu'on se faisait du roi déchu à l'époque, quoi. Alors... C'est un sacré gloubi-boulga, le design, mais j'aime bien, en vrai. J'aime bien le délire de lui. Non, là par exemple, voilà, c'est un typical mob de MMO, y a rien. Y a rien. C'est un orc rouge avec mon. Ok, il a un peu une chevelure un peu spéciale, mais c'est tout, il a une grosse hache, une épaulière, basta. Y a rien, pas de design. C'est bien, mais pour un mob, pour un truc que tu joues, quoi. C'est terrifiant ça en vrai. Celui-là j'aime bien, j'aime vraiment bien. Puis il a des sortes de trucs qui fuient de ses poignets, c'est terrifiant un peu. Fallait bien que je découvre après 12 ans de League of Legends à quoi ça ressemble Dota. Clinks, il a dit son nom. Ceux qui arrivent et qui disent leur nom, c'est vraiment incroyable.